Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 13 de Fortnite saison 5. Alors le premier défi est une quête légendaire à plusieurs étapes qui vous demandera de construire des structures. La première étape vous demandera de construire 60 structures, ensuite 120, 180, 240 et ensuite 300 structures. Quand vous aurez construit les 300 structures, vous débloquerez plus ou moins 150 000 XP. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille juste d'aller en fort d'empoigne et de construire un peu n'importe où et n'importe comment, puis farm pour récupérer des matériaux et placer un maximum de constructions très rapidement et très facilement. Donc voilà, quand vous aurez terminé ce défi, vous débloquerez 150 000 XP, plus ou moins. Alors maintenant, je vais vous parler des quêtes épiques. Le premier défi est de scanner un serveur dans un poste de surface. Alors pour réaliser ce défi, vous avez 3 solutions d'emplacement de serveur. Il y en a un qui se trouve à Stilty Stronghold, il y en a un qui se trouve au Colossal Coliseum, et il y en a un qui se trouve à Hunter Haven. Alors moi, je vous conseille d'aller à Hunter Haven directement, parce que de là, vous allez pouvoir faire d'autres quêtes. Après, c'est vous qui voyez. Ça dépend aussi de où arrive le bus. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo parce que dans le gameplay, je vous montre tous les emplacements de tous les serveurs de la map de Fortnite. Donc après, vous n'avez qu'à choisir celui avec lequel vous allez interagir parce que pour terminer le défi, il suffit juste de scanner un seul serveur. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les 3 emplacements. Vous faites un serveur et vous aurez terminé le défi. Le deuxième défi est de lancer un fruit à Hunter Haven. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Hunter Haven, chercher après un fruit, que ce soit une pomme, une banane, etc. Et ensuite, vous avez juste à le lancer dans Hunter Haven. Alors dans le gameplay, je vous montre plusieurs emplacements de boîtes de fruits. Donc principalement, il y en a vers les cuisines de chaque maison, mais il n'y en a pas dans toutes les maisons. Donc il faudra chercher un petit peu pour en trouver. Mais si jamais par hasard, vous avez déjà un fruit que vous avez déjà été récolté dans un autre lieu dit, par exemple juste à côté à l'Asie Lake, et que vous avez une pomme qui est tombée dans un pommier, vous l'avez ramassé, vous pouvez toujours vous rendre à Hunter Haven juste à côté et lancer le fruit que vous avez récolté pour valider le défi. Alors cependant, il faudra lancer 3 fruits au total pour valider le défi. Donc équipez-vous au moins de 3 fruits si vous vous dirigez vers Hunter Haven. Donc voilà, rien de très compliqué en soi. Alors le troisième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires à Hunter Haven, au Verger et à Retiro. Alors la phrase telle qu'elle est dite dans le défi ne spécifie pas que vous pouvez faire des dégâts dans les 3 villes. Elle spécifie qu'il faut faire des dégâts à des adversaires à Hunter Haven, au Verger et à Retiro. Alors soit ils l'ont mal écrite, ou alors faut vraiment faire des dégâts à Hunter Haven, au Verger et à Retiro. Alors il est marqué 300 de dégâts, donc ça voudrait dire qu'il faudrait infliger 300 de dégâts à Hunter Haven, 300 de dégâts au Verger et 300 de dégâts à Retiro, ou alors peut-être 100 de dégâts dans chaque ville. Ou alors, ça se tombe, vous pouvez tout faire dans une seule ville. De toute façon, dans le gameplay, je vous ai montré les 3 emplacements des villes. Donc le Verger, c'est là où il y a plein d'arbres au-dessus de Colossal Coliseum. Donc si jamais vous devez faire des dégâts dans les 3 lieux, n'oubliez pas le Verger qui se trouve juste au-dessus de Colossal Coliseum. Et surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça fonctionne uniquement dans une seule ville ou s'il faut faire vraiment les 3.
Donc ça pourrait aider la communauté, c'est toujours sympathique. Alors le quatrième défi est d'infliger des dégâts avec des pistolets. Bah là il n'y a rien de très compliqué, vous trouvez un gun par terre, enfin un pistolet, et ensuite bah, vous faites 300 de dégâts pour valider le défi. Alors le cinquième défi est de se baigner dans le bassin violet de Steamy Stack. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Steamy Stack bien entendu, et vous allez devoir vous rendre au même endroit que moi sur le gameplay. Donc essayez d'emprunter le même chemin que moi, vous rentrez par l'entrée principale du bâtiment, vous suivez le même chemin que moi, et ensuite ben, vous trouverez un énorme bassin violet en plein milieu du bâtiment. Donc vous aurez juste à vous baigner dedans une seule fois et vous aurez terminé le défi. Le sixième défi est d'entrer dans le point zéro. Alors pour rentrer dedans, soit vous y allez en construisant une méga rampe jusqu'au point 0. Bien entendu, je vous conseille de le faire en foire d'empoigne si vous voulez créer une rampe, bah, tout simplement parce que bah, vous gagnez plus de matériaux en foire d'empoigne et vous commencez directement avec 450 de matériaux si je me souviens bien. Vous aurez assez de matériaux pour construire une rampe jusque là. Ou alors sinon, ce que vous pouvez faire, bah, c'est quand vous êtes dans les airs avec votre planeur, bah, vous essayez de rejoindre le point 0 directement et ensuite bah, ça validera le défi. Vous avez juste à rentrer dans le point 0 une seule fois pour valider le défi. Et le septième et dernier défi est de détruire des arbres de cristal. Alors les arbres de cristal, ils se trouvent près du point 0 dans la zone désertique. Donc il y en a un peu partout. Moi je vais vous montrer deux emplacements où il y a un petit peu plus d'arbres. Donc par exemple près du cinéma il y a quelques arbres et en face du colossal Coliseum, eh ben là aussi il y a beaucoup d'arbres. Donc vous devez détruire 5 arbres au total pour valider le défi. Donc là avec les deux emplacements que je vous ai montrés, logiquement vous avez de quoi faire. Donc voilà, j'espère que ce guide complet des défis de la semaine 13 de Fortnite saison 5 vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.